En fait, à la suite de discussions que j'ai eues hier soir avec certains amis du Café Philo, etc., comme Sauveur, j'en suis arrivé à la conclusion que toute société doit gérer avant tout la diversité de sa population. Ça, c'est le but, la raison d'être de toute pouvoir politique. Diversité en âge, diversité en catégories diverses et variées. Et la question est de savoir quelles sont les solutions que l'on propose, que l'on met en œuvre pour gérer cette diversité. Alors, disons-le, ça passe par une question d'espace-temps. Quand il y a de la diversité, je peux régler le problème par l'espace, par exemple. C'est-à-dire, je peux répartir les gens en les classant justement selon leurs affinités, leurs ressemblances, dans des espaces différents. Alors, des espaces différents, ça peut vouloir dire des quartiers différents, ça peut vouloir dire des étages différents, éventuellement, dans des immeubles en hauteur. On sait par exemple que les gens du sixième étage n'ont pas le même profil que les gens du deuxième, du bel étage, etc., etc. Et puis, on peut les classer selon un critère de temps. Ça, c'est plus intéressant aussi. Critère de temps, ça veut dire que ces populations occupent un même espace, mais pas au même moment, pas en même temps. Par exemple, le palais de l'Élysée, c'est un seul et même espace, mais qui ne sera pas occupé indéfiniment par les mêmes personnes. Il y a un roulement du fait même des élections. Donc voilà, le critère espace-temps est fondamental. Alors, est-ce que ce critère espace-temps, dont je ne sais pas s'il a été mis en avant avant moi, de cette façon, et d'ailleurs, ça nous renvoie quelque part à l'astrologie, puisque l'astrologie, c'est une structuration du temps. Un même espace, mais avec des roulements, avec une cyclicité. Et on peut vouloir rapprocher cette matrice fondamentale de la gestion de la diversité par l'espace-temps. En rapprochant cela de la gauche et de la droite. On va voir jusqu'à quel point.